Bonjour, je m'appelle Emma. Je vous ai téléphoné parce que j'ai lu votre annonce dans le journal et je veux travailler pour vous. Ah oui, je suis bonne avec les chiffres et je m'adapte à les nouveaux environnements très bien. Aussi, je peux prendre la charge s'il est nécessaire. Oui, bien sûr. À demain. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que je peux parler avec la rédactrice, s'il vous plaît? Merci. Bonjour. C'est Jessie? Oui. Je suis curieuse de savoir si vous avez une chance de lire mon scénario. Vous l'aimez? Vous voulez faire un film? Super! Non. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il est le metteur en scène? Non! J'ai le droit de mes idées. Non, c'est très offensif. Bonjour Emma, comment ça va? Oh Jessie, je suis très triste. Je déteste mon travail. Non, viens, reste, j'ai fait du café. D'accord, merci. Aujourd'hui, mon partenaire Robert, il a reçu la promotion au lieu de moi. Et maintenant, il est le cadre supérieur et pas moi. Manoï, j'étais sûre que tu vas la recevoir. Qu'est-ce que tu penses que son patron est sexiste? Peut-être. Il me contredit souvent et jamais, Robert. Et aussi, quelquefois, il me moque mes idées. Non, ce n'est pas la vérité. Non, pas du tout. Je vais quitter demain. Calme-toi. Je comprends, mais peut-être tu as besoin de penser un peu. Oui, tu as raison. Je sais ce qu'améliorera ton humeur. Les Oscars sont sur la TV ce soir. Ah, j'ai oublié. Qui tu veux gagner? C'est une année intéressante. Cette année pourrait être la première année où une femme gagne le titre « La meilleure metteur en scène » par l'Académie. Ah oui, c'est vrai? Oui. Je suis très heureuse parce que ce serait un grand moment d'importance pour la future du cinéma, la future des femmes et la future de mon travail. Très cool. Tu veux faire la même chose? Oui, je peux le voir maintenant. Ha! Merci, Jessie. Je me sentis meilleure. Et puis, demander un nouveau jeu. Absolument. C'est la vie. Ah.